quitté la Belgique en étant en France à présent. On a un chouette petit coucher de soleil et on va à quelque chose sur Argonne, à côté de Verdun. Et demain, on va aller visiter les environs, c'est ça? Oui, comme ça, oui. Baladez, à moto. Nous sommes sur l'aire de Clermont, en Argonne. Et voilà, c'est une petite aire, on est à une quarantaine, 35-40 km de Verdun. On va les visiter à moto directement. Et puis on va aller après, on va descendre un petit peu plus après. Voilà, donc on est, vous voyez, la moto, elle est là. On va décrocher ça et puis on va aller se faire une belle balade à moto à présent. Oh, la moto en position basse. La rampe pour descendre, une toute petite rampe ou nette, comme on dit. Voilà, ça va le faire, sans problème. Donc nous sommes à Verdun, à la citadelle souterraine. On va aller visiter ça, mais apparemment on n'a pas l'autorisation de filmer dans le système. Voilà. Et en plus c'est de la visite avec le masque, c'est purement virtuel. On va voir ça. Allez, départ de la visite. Je vais essayer de faire au mieux, on verra bien. Pas mal de conditions à remplir. Déjà. Et puis pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ouais. Voilà. 1 mètre minimum. Thank you.
on est mardi 16 juillet, il est 8h du matin. Je viens de me lever. Et puis voilà. Temps de merde. Voilà, et pas d'autre mot. Il a plu une bonne partie de la nuit. On doit aller visiter une tranchée normalement aujourd'hui, puis un musée encore. Mais je sais pas vraiment si on va le faire ou pas. Voilà. Parce que voilà. Il y a déjà quelques camping-cars qui sont partis. Il y a eu un peu de monde quand même cette nuit. Hier soir aussi. On a un camping-car ici, c'est un Euromobile, comme le nôtre. Et puis, le camping-car qui est ici, j'ai eu la surprise hier, c'est de... Voilà, il y a Brigitte, prend son café. Voilà. Brigitte, qui est une abonnée au départ, qui m'a dit, si vous êtes du côté de Verdun, je passe vous voir. Et ben voilà, c'est fait. Voilà. Bon, prendre ma douche, et puis on va voir. Visiter la tranchée de Chatoncourt. C'est un lieu où a été reconstituée une tranchée de l'époque parce que, de par explication, ça a été formellement interdit dans toute la région puisque elle est considérée comme étant véritablement un cimetière à ciel ouvert de plusieurs kilomètres carrés. Donc on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et là, ils ont juste eu l'autorisation pour pouvoir faire quelque chose pour représenter ce qu'était la vie dans les tranchées. Voilà. Juste ici, sur les panneaux, vous avez des photos liées à l'histoire du village, avant, pendant et après-guerre. Et parmi toutes ces images, il y en a trois qui représentent précisément la rue dans laquelle on est situé. C'est celles qui sont en haut à droite. Et vous pouvez voir qu'au début du conflit, en 1914 et 15, le village est en très bon état, n'est pas détruit, tout simplement parce que c'est une guerre de mouvement à ce moment. Les combats vont être vers la Marne, la Belgique, les Vosges. Donc ici, à part quelques bombardements, ça reste un secteur extrêmement calme.
l'ennemi lançait les gaz dans ce poste là avancé, il y avait cet oiseau qui était dans sa cage, et selon l'état de l'oiseau, il définissait la dangerosité ou l'arrivée des gaz. L'oiseau était le premier à en souffrir. L'alarme se faisait ici. Regardez,
petit souvenir, je l'ai conservé. Super, ça vaut vraiment le coup de venir voir ça. C'est une des rares tranchées reconstituées, bien évidemment, de toute la région. Donc, je vous invite à venir voir ce genre de choses. En plus, le personnage connaît très bien. On peut lui poser des tas de questions et ça c'est génial. Voilà. Allez, on continue. On va aller vers où là? Au mémorial et puis des petits villages qu'il nous a conseillés aussi. Voilà, il nous a conseillé, oui. Donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Le mémorial, on est là sur le village détruit en fait. C'est à côté de Dourmont, c'est Fleury devant Dourmont. Voilà, en fait, on a appris plein de choses plus ou moins intéressantes pour ceux qui s'y intéressent à ça, bien sûr. Première des choses, c'est que tout ce qu'on voit là, en fait, les forêts qui sont ici sont des forêts qui ont été. On a laissé pousser les arbres volontairement pour, je dirais, cacher la misère. C'est ce que nous a dit une personne qui s'occupait de la partie, je dirais, archéologique de la région. Et donc, tous ces trous que l'on voit, ce sont des trous d'obus, et uniquement ça. Et donc, on a laissé pousser cette forêt pour cacher tout ça. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Mais on imagine ce qu'ont vécu ces gens-là, c'est-à-dire que il n'y a pas, j'irais dire 10 mètres, mais c'est même pas 10 mètres sans un trou. C'est-à-dire que ça devait pleuvoir des bombes, littéralement, véritablement. Donc ils ont dû vivre un enfer, et ça a duré plus de 300 jours. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Enfin bon, j'ai du mal à... C'est très spécial pour moi parce que je sais que mon grand-père y était. Donc voilà, ça fait partie de ces choses qui travaillent un peu les tripes, je dirais. Voilà. Bon, je continue la visite. De par ce que nous a expliqué cette personne, en fait, Véatin n'a pas été une guerre de tranchées, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, comme plein de choses. La tranchée aux baïonnettes, c'est du faux, tout ça. Mais les tranchées, en fait, permettaient de communiquer d'un trou d'obus à un autre trou d'obus. Conclusion, les tranchées ne faisaient que quelques mètres. Voilà, donc il n'y a pas véritablement eu de tranchées dans cette région-là. Toutes les régions où il y avait une tranchée étaient des régions où il n'y a pas eu véritablement de combat. Sinon, c'est très simple, les tranchées auraient été carrément détruites. Voilà. Et là, c'est l'ancien village, l'ancien village, on est sur l'endroit, mais il n'y a plus rien du tout parce qu'il a été complètement détruit. Tous les petits chemins qui sont là sont en fait les ruelles de la ville. Voilà. Vous voyez, c'est là par exemple, c'était la rue Saint-Nicolas. Et c'est là où c'est complètement dingue parce que les Allemands sont arrivés et
ça a tiré de partout. Les gens sortaient des maisons, on a lu ça. Étaient brûlés vifs avec les lance-flammes et tout ça. C'était assez horreur, je dirais. Dans le vrai sens du terme, j'ose même pas penser à ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes les parties boulons, visseries, tout ça que je démonte de la remorque pour la mettre en position basse et pour mettre la remorque dessus et rééquiper après, sont posées dans ce chiffon là. Ce qui fait que quand j'ai terminé, voilà ce qui doit me rester. Ces deux clés là, et c'est tout. Ça veut dire que j'ai tout remonté. Façon comme une autre de ne pas avoir à oublier des choses et ne pas risquer surtout d'oublier des choses. Voilà ce que ça donne. La moto, elle est remontée, elle est sanglée. Je vais mettre une protection pour la selle. J'ai pas mis de bâche parce qu'en fait la bâche, elle m'a plus esquinté la moto qu'autre chose. Je sais pas si vous allez le voir ici. Voilà, j'ai des marbrures à cause de la bâche. Toutes les sacoches là, tout ça, ça a été noirci. Enfin bon, voilà, c'est pas génial, génial. Voilà ce que ça donne. Étant donné que je vais aller faire les niveaux. Ben, j'ai décroché la remorque et ce qui est génial, c'est que même la remorque décrochée, la moto, elle tient dessus. À présent, nous allons quitter cette aire là. Donc 8 euros la journée. On a l'eau, on a l'électricité, possibilité de faire de vidanger. On a même des douches d'ailleurs, même des douches chaudes. Et ça, c'est super bien cette aire-là. Surtout pour le prix. Faut dire, il n'y a pas grand-chose autour.
À l'entrée, on a directement le moyen de paiement. Là, en ce moment, il est HS. Alors, la barrière, elle est levée. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.